noi che produciamo vino è da tanti anni, cioè dai miei antenati alla fine del 600 già producevano i vini. Però questo vigneto è un... Ça fait longtemps que nous sommes vignerons. Mes aïeux étaient déjà des producteurs de vin à la fin du XVIIe siècle. C'est un vignoble qui a une longue histoire et qui a été réimplanté il y a 50 ans avec du cépage Barbera. Nous sommes sur la colline de Pignerol, à 400 mètres d'altitude. C'est le seul vignoble important qui a survécu dans cette zone appelée San Maurizio, du fait qu'elle se trouve dans le voisinage de la basilique de San Maurizio. E qui si fanno dei buoni vini, siamo arrivati anche a una gradazione notevole l'anno scorso con 14 gradi e mezzo della Barbera che abbiamo imbottigliato e che ripeto è un vino notevole. Dans la zone de Pignerol, la viticulture a une longue histoire. Et celle qu'il y a encore aujourd'hui est une viticulture importante. Nous avons plusieurs DOC, équivalents des AOC françaises, le Barbera et le Dolcetto DOC. Nous avons également deux vins typiques. Le premier est le Doux d'Henri, qui prend le nom du roi de France Henri IV, qui, lors de son passage en Italie, avait demandé à ce qu'on lui fasse un vin en partant de ce raisin rosé à grosse baie. Le résultat est un vin ayant une robe rosée, mais c'est du Doux Henri que produisent encore quelques vignerons de la zone de Pignerol. Le Ramille est un autre vin important issu de vignobles héroïques situés à Pomaretto, à plus de 1000 mètres d'altitude. Ici, de nombreux investissements ont été faits, y compris de la part de la province de Turin, pour sauvegarder la viticulture de montagne qui s'étend sur des versants terrassés. Le nom Ramille provient des rameaux de vigne qui, en dialecte, sont appelés Ramille, justement. Le Ramille est un cépage très apprécié et très recherché, un véritable produit de niche. Proprio come prodotto di nicchia e fatto di minime quantità.